professeur. Et bon parcours de la parole de Dieu. Merci, le Seigneur, ma grâce. Alléluia pour ce moment-là. Et bon point de vue pour verset de la Bible dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le 7. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire déjà, Dieu finit, confirme le message de ce matin. Gloire à Dieu. Seigneur de grand. Deutéronome, le chapitre 2, le verset 7. Et puis nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 4, le verset 19. Alors, Deutéronome chapitre 2, le verset 7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. On lit la dernière phrase encore une fois. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira, nous dire pouvoir, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un verset qui nous connaît bien. Je suis content qu'ils aient lié avec moi, chez eux, à la maison, la famille réunie, tout le monde capable de répéter ça. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Laisse-nous prier. Père, nous bénis-toi ce matin. Seigneur, combien nous les cueillons, y élever pour glorifier toi. Papa, toi grand, toi infiniment grand, merci pour ta parole. Avant même que ta parole n'y prêche, tu finis confirme ta parole pour montrer nous Dieu qui t'en contrôle, qui t'en présent, qui t'en avec nous, qui t'en prouve. Seigneur, ce que ton peuple ce matin peut faire, ce que ton serviteur t'en appelle pour les faire. Et moi, les remercier dans le tout cœur. Merci pour la prière et le soutien de chacun. Ce matin, Père, là, comme ta parole dit pour prêcher, dispose ma nécaire et qui nous capable d'entendre ce que l'Esprit est à nous dire à l'Église dans ce moment béni. Moi, donne-toi toute la gloire et moi, remercie-toi pour l'onction qui accompagne ta parole. Et dans le nom de Jésus, nous prier ensemble. Nous capables, frères et sœurs, nous dire Amen, Alléluia. Ce matin, mon fils, et appelle le message que Dieu est là pour nous. L'Éternel est notre pourvoyeur. Est-ce que vous êtes capables d'y aller ensemble avec moi? Bon Dieu, mon pourvoyeur. Amen. Le monde est en crise, frères et sœurs. Et là, une crise à tout niveau. Et puis, ces derniers temps avec le problème de Covid, finit toute une série de difficultés qui finit frappe la terre. Le monde nous capable d'y aller en crise. Amen. Avec la maladie, avec l'économie, l'inflation, l'instabilité, le chômage, la pauvreté, la récession. Nous capable dire le monde est en crise. Et un combat dans ce monde-là. Un homme d'affaires, je peux gratte la tête quelque part et réfléchis comment pour faire pour relancer ce business. Un chef d'État, je peux poser la question comment besoin faire pour capable et relancer l'économie de ce pays. Un père de famille, je peux poser la question comment pour aboutir. Mal projet qui se finit là,
et pour les familles, les autres enfants, le monde, il y a une crise, et il y a un combat des hauts. Et mon vie pour dire ce matin, nous remercier Dieu pour son parole. À chaque étape de nous la vie, à chaque moment de nous la vie, mon frère, ma soeur, Dieu est une parole pour nous. Alléluia. Et malgré nous capables de vivre des moments difficiles, comment on peut servir ce beau, le monde en crise, et sont dit, moins vite toi, mon frère, ma soeur, pour regarder à Dieu, pour sa provision surnaturelle dans toute la vie. Amen. C'est vrai. Et nous causons aujourd'hui, et dans la bouche de tout le monde, on a l'occasion d'entendre ça plusieurs fois. C'est une vérité ou c'est une réalité? Ben, prix fin monté partout. Avec peut-être un somme d'argent, longtemps, on t'y fait en bonne course. Mais on dit, et avec même somme d'argent, au papier arrive complète tout ce qu'il t'a fait faire comme achat. Le monde est en difficulté. Ben, prix peut monter et le coût de la vie encore peut venir plus cher. Et mon vie pour dire toi ce matin, nous avons un bon Dieu qui pouvoir à nos besoins. Alléluia. Regarde à Dieu ce matin pour sa provision surnaturelle dans toute la vie. Vous connaissez, quand nous guettons l'ennemi de nos âmes, quand nous guettons Satan, quand nous guettons le diable, sa stratégie, c'est pour faire nous fixer nos besoins financiers. Satan, son but, c'est faire nous fixer nos problèmes. Ah, comment nous pouvons faire avec sa tigite l'argent là? Comment nous pouvons faire avec nos salaires qui nous mine la moitié? Comment nous pouvons faire avec nos allowances qui nous coupent? Comment nous pouvons faire avec tous nos problèmes? Le but du diable, c'est pour faire nous garder, nous regarder, lors nous avons besoin financier. Mais mon vidéo pour dire ce matin, mon frère, lève-toi ici et regarde sa bonté qui est capable aujourd'hui faire l'impossible, vite possible dans toute la vie. Laisse-nous lève, nous la main, nous dire Alléluia. Amen. Pour continuer, frères et sœurs, il est important qu'il nous comprend que l'homme en a besoin. Nous dire besoin. Amen. L'homme en a besoin. Nous tous, quelque part, nous en a besoin. Il n'est pas un péché si nous en a besoin. Non, nous tous, nous en a besoin. Quand nous regardons la Bible, quand nous retournons au commencement de livre, du livre de la Genèse, nous parvenons à trouver, après que Dieu fit créer l'homme et le fit placer dans le jardin, bon Dieu fit arriver à trouver que l'homme en a besoin. Et c'est la même qui, bon Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, bon Dieu fait combler sa besoin dans la vie de l'homme. Il fait amener la femme vers l'homme pour vous dire ce matin, pour dire avec nous tout qu'il a, nous tous, nous avons besoin. Moi qui fais cause avec vous, nous avons besoin. Où qu'il a, nous avons besoin. Peut-être qu'il arrive à un âge que tu désires pour fondre un foyer, alors on peut chercher un partenaire pour le mariage. C'est un besoin. On peut prier. Et Dieu, il est pour combler et sa vie là, et il est pour pouvoir sa besoin là. Ou bien qu'il connaît un locataire, ou fin louer la case pendant des années, et ou peut dire, bon Dieu, et vous êtes content de venir propriété de la case. Ou il a un besoin. Et bon Dieu, il est capable de pouvoir sa besoin là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ou bien, ou il a un désir pour acheter quelque chose, peut-être, et au fin rouler une motocyclette, on dit, allez, comme un exemple. Et là, et on peut dire avec et ben membre de nos familles et nous pour besoin de l'auto, alléluia, le besoin de voiture, le besoin de le moyen de transport, c'est un besoin. Dans la vie de l'homme, et il a ben besoin, alléluia. Nous tous, nous avons besoin. Mais mon frère, ma sœur, d'ailleurs, laisse-moi dire quand nous regarde et Philippiens le chapitre 4, le chapitre qui nous fait lire ce matin et dans chapitre 4, Philippiens, l'apôtre Paul, lui en prison, lui peut écrire, et à mal Philippiens, ici, nous trouvons sa mot besoin là apparaît plusieurs fois. Dans le verset 11, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. L'apôtre Paul tient à mal besoin. Dans le verset 16, il dit, vous fûtes le seul à le faire quand vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins.
Jésus même pour dire, votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Et vous retirez sa phrase-là. Et ce n'est pas un péché si tu n'as besoin aujourd'hui. Au contraire, si tu n'as besoin aujourd'hui, reste assuré et on est venu. C'est une finie. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible dit à nous, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Quand on regarde ici le contexte de Philippiens chapitre 4, dans quel contexte l'apôtre Paul peut dire ça? C'est un merveilleux contexte qui est bon, qui nous comprend, puisqu'il est là dans la Bible, et nous trouvons ça beaucoup dans les épîtres que l'apôtre Paul y écrit dans les églises. Ici, l'apôtre Paul y peut remercier les Philippiens pour ce soutien qu'ils ont fait apporter à son ministère. Comme l'apôtre Paul l'a fait dire, et il y en a un besoin ici, en tant qu'un homme, il y en a un besoin. Mais l'église de Philippe, les Philippiens, ils ont fini être touchés par le Seigneur, merci Jésus, et ils ont fini assister Paul, avec ma femme, au temps de Jésus, je t'ai assisté Jésus, amen, dans son ministère. Et là, ici, l'apôtre Paul, il finit assister, il finit recevoir, et de les Philippiens, et il y a une reconnaissance. Maintenant, il y a un pouvoir, il y a un besoin, maintenant, il y a un soutenir dans ce ministère. Et peut-être, permettez-moi de dire, vous ouvrez une parenthèse, et puis ensuite, vous fermez. Amen. Et les bibliques, cela, frères et sœurs, pour assister le serviteur de Dieu, pour pouvoir, et aux besoins des uns et des autres, et pour capable, et donner dans la manière que Dieu lui peut conduire nous par son Saint-Esprit, les bibliques, cela. Et nous trouvons ça ici dans le chapitre 4. Et c'est la même côté. L'apôtre Paul et les ravines dans le verset 19. Quand on arrive dans le verset 19, l'apôtre Paul maintenant, il dit cette parole à les Philippiens. Il dit maintenant, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Et ici, nous trouvons une note de remerciement. Amen. Et thank you note qui l'apôtre Paul lui envoie à les Philippiens pour dire maintenant, suite à ce que je fais faire, suite à tout sa bénédiction qu'ils ont fini à mettre dans mon avis, à sa don qu'ils ont fini à mettre là, maintenant, laisse-moi dire ça. Alléluia. Peut-être l'apôtre Paul est capable de dire, ici, vous ne pas connaître comment vous pourrez tourner ça, mais ce que vous capable de dire ça, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cette promesse de l'Écriture, frères et sœurs, est pour moi et est pour nous tous qu'il a ce matin. Alléluia. Sa bon Dieu qui nous priait, sa bon Dieu qui nous servit là, lui-même nous pourvoyeur. Amen. Les pouvoir à tout mon besoin. Il ne peut pas dire ici un parti de mon besoin. Amen. Mais il dit à tous vos besoins, selon sa richesse. Le bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est riche. Le bon Dieu, il possède toutes choses. Le bon Dieu, il y en a toutes choses en abondance. La Bible dit à nous, toutes choses qu'il crée par lui et pour lui. Il est même le créateur. Quelles choses que besoins ont dit qui bon Dieu pénin. Non, mon frère, ma soeur, ce qui t'a besoin aujourd'hui, Dieu capable d'amener-le dans toute la vie. Lève-toi la main, dire Alléluia. Peut-être qu'il connaît l'exemple qui m'a fait citer et au début de la prédication. Peut-être que tu peux chercher un partenaire pour le mariage. Peut-être qu'il arrive un moment que tu as besoin de conjoint. Mon frère, ma soeur, Dieu capable combler sa vie là dans ton ami. Ou bien qu'il connaît un locataire. Tu peux dire, Seigneur, il arrive un moment pour me capable d'être propriétaire de la case. Laisse-moi déclarer dans ton ami dans le nom de Jésus. Qui Dieu, sa papa qui nous servit là, lui pour pouvoir pour une maison pour toi dans le nom de Jésus. Ou bien tu peux chercher un travail, un emploi, mon frère, ma soeur. Dieu pourvoira à son emploi là. Peut-être tu peux chercher quelque chose qui te désirait. Dieu, lui pour pouvoir à sa besoin qui tu es là. Lève-toi la main et dis Alléluia. Amen. Amen. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qui fait l'immension ici, avec gloire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une petite chose qui nous besoin bien comprendre. C'est que Jésus-Christ, il rachète nous de la malédiction.
Amen. Sans Jésus, nous sous la malédiction, mais avec Jésus, nous finissons rachetés. Amen. Et c'est la bénédiction qui repose l'homme de la vie. Lève de la main, criez Alléluia. C'est pour cela ce verset, l'immerveilleux. Dans ce verset, il est très important. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Alléluia. Amen. Avec gloire en Jésus-Christ. La richesse de Dieu n'est pas capable de comparer à la richesse de ce monde. Mon frère, ma soeur, les cieux y enrichissent. Alléluia. Et Dieu, ce matin, il est là pour combler toute la vie. Lève la main, dis Alléluia. Amen. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, avant qu'il bovine avec le peuple d'Israël et puis pour poursuivre avec le message. Amen. Nous rappelle ce moment que Abraham, dans Genèse chapitre 22, Abraham est là quand il y allait monter pour offrir son garçon en sacrifice. Nous compte bien, arrivé un moment et juste pour couper l'histoire, et là, arrivé un moment quand les filles arrivent. Et pour les capables, et offrir le sacrifice. Un homme qui dit à lui, garde-toi de le faire. Et là, la Bible nous comme cela, bon Dieu fit pouvoir pour être bélier dans la place de son garçon. Et là, la Bible nous comme cela, et Abraham, et fit appel, ça lui est là, Jéhovah Jiré. Ça appelle, ça trouve dans la Bible, dans Genèse chapitre 22. Bon Dieu, Abraham, pardon, il appelle ce lieu-là Jéhovah Jiré. Qui veut dire Jéhovah Jiré? Veut dire Dieu pourvoira. Amen, alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms de l'Éternel. Et parmi les noms de l'Éternel, nous trouvons Jéhovah Jiré. Alors ce matin, lui-même de Jéhovah Jiré. Lève-toi la main et dis, bon Dieu, lui-même, mon Jéhovah Jiré. Dis-le encore une fois de tout ton cœur. Dis, bon Dieu, lui-même, toi-même, Jéhovah Jiré. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, Dieu pour pouvoir à tout ton besoin. Quand nous guettons le peuple d'Israël, le verset qui me lire avec Jude dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 7, pour montrer aux autres comment bon Dieu fit agir dans la vie de ce peuple. Et comment bon Dieu lui peut agir et lui fait agir encore dans nous la vie. Ce peuple qui fait quitter l'Égypte et la Bible de nous a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Et qu'est-ce ce qui bon Dieu dit aux autres? L'Éternel dont Dieu t'a béni dans le chapitre 2, le verset 7, le verset qui nous fait lire au début dans le livre de Deutéronome. Quand l'Éternel dont Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia, frères et sœurs. Pendant 40 ans, ce peuple quitte l'Égypte pour la terre promise. Je finis parcours le désert pendant 40 ans. Et la Bible de nous comme cela, je pas fin manque de rien. Alléluia. Amen. Et croire cette parole ce matin, qui toi, moi avec toi, ce matin, qui nous, dans la nouvelle alliance, qu'en est-il? Alléluia. Frères et sœurs, avec Jésus-Christ, qui finit et donne-nous la victoire sur le bois de la croix, nous pas pour manque de rien. À cause ça, même le salmiste pour dire, nous connaissons ce verset bien, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, tu n'as manqué de rien. Amen. 40 ans dans le désert. Et quand nous lisons l'histoire, frères et sœurs, chaque jour, la manne fit tomber du ciel. Chaque jour, bon Dieu fit de nous autres sa divin là. Tous les jours, bon Dieu fait de nous autres divin hier. Bon Dieu fait de nous autres divin avant hier. Parfois nous, et parfois dans le confinement, nous prenons du pain hier, nous nous chauffons, nous mangeons. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle pour de nous du pain quotidien. Alléluia. Ce peuple-là, l'ingé la manne, chaque jour, la manne qui fraîche.
Bon Dieu fin tient de l'eau dans roche et fin de zot mon frère ma sœur. Je pas fin manque de rien. Quand vous lire l'histoire encore, la Bible est comme cela, je ban vêtements, amen. Alléluia. Je ban vêtements pas finette usé. Alléluia. Amen. Oui, imaginez-nous. Amen. Ce vêtement pas fin usé. À cause ça même, bon Dieu dit ici, l'Éternel ton Dieu finit avec toi et tu n'as manqué de rien. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, pas besoin de te soucier toi, pas besoin de t'inquiéter toi, qui te pour manger, qui te pour boire, pas besoin d'inquiéter toi, comment me pour faire dans sa crise qui me frappe la terre. Mais mon vie pour rassurer toi avec la parole de Dieu, te pas pour m'ennuyer, parce que bon Dieu dit même, ton pourvoyeur. Alléluia. Les pour pouvoir à te man besoin. Les pour donner toi de la main chaque jour. Les pour tirer de l'eau dans rose pour toi. Ton vêtement pas pour user. Amen. Nous nous changeons pas de vêtements. Amen. Arrive un an, des ans, trois ans. Peut-être nous mettre une chemise. Après cela, nous dire, me fatiguer, mettre lit. Ou bien nous déchirer. Me mettre lit d'un coin. Ou bien, et nous faire quelque chose avec lui. Mais ce peuple qui fait une marche pendant 40 ans dans le désert, ce vêtement pas fini usé, Dieu fin prend soin. La Bible nous dit les pieds pas fini enflés. Alléluia. Amen. Parfois nous mangeons un petit guide, nous disons que les pieds font mal. Ah frère, qui fait pas fini l'église. Ah frère, mon pied fait mal. Et ce peuple-là fin marche pendant 40 ans. Amen. Et la Bible nous dit les pieds pas fini enflés. Mon frère, ma soeur, Dieu prend soin. C'est pour cela, les dire ici. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. C'est une confession qu'il nous a besoin de faire ce matin, frères et sœurs. Et rappelle-nous-mêmes que Dieu lit nous pourvoyeurs. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin dans ce message? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Basé, alors, ce que nous venons comprendre ce matin, Moulet, laisse-moi vous expliquer quelques principes qui sont très importants en tant qu'enfant de Dieu. Ça va, le principe-là, finalement, une grande bénédiction dans mon vie. Et, en quelle occasion, mentionne-le, des fois, partage-le. Et laisse ce matin nous rappeler nous-mêmes de ce même principe concernant Dieu, nos pourvoyeurs. Alléluia, afin qu'il toujours nous capable vivre sous sa provision surnaturelle de l'Éternel. Alléluia. Premièrement, ce qui m'a est mentionné ici, premièrement, c'est get bon Dieu comme de la source. Amen. Get bon Dieu comme de la source. Est-ce que nous capable dire ensemble avec moi? Get bon Dieu kouma mo la source. Quand nous cause la source, nous cause l'origine de quelque chose. Amen. Quand nous cause la source, nous cause l'origine de quelque chose. C'est vrai aujourd'hui, nous avons le travail, nous avons et nos biens, nous avons l'argent, nous avons peut-être quelque chose que Dieu fin de nous. Mais mon frère, ma sœur, il est très important que nous guettons bon Dieu tous les temps comme nous la source. Nous travail, c'est pas nous la source. Le salaire que nous recevons chaque mois, c'est pas nous la source. Amen. Nous position, c'est pas nous la source. Amen. Nous ben dit bien, nous ben possession, c'est pas nous la source. Tout ça là, c'est pas nous la source. Et d'un seul qui nous la source, c'est bon Dieu. Et il faut pas à quel moment nous échappe nos regards, nous guette nous l'argent, nous guette nous salaire, nous guette nous income, comment nous la source. Amen. L'origine de sa salaire là, de sa travail là, c'est bon Dieu qui nous donne. Pour aujourd'hui, tu es capable, trouve bon Dieu comme ton pourvoyeur, l'important qui donne toute la vie. Get bon Dieu, comme tout la source, alléluia, lui-même la source de ta bénédiction, alléluia. Ce qui t'a aidé aujourd'hui, ce qui m'a aidé aujourd'hui, c'est pas les hommes,
mais c'est l'Éternel, lui-même mot la source, lui-même mot pourvoyeur. Alléluia. C'est vrai. Quand nous sommes dans le naturel, c'est vrai. Au bout d'un coup avec moi, bon Dieu, il servit Mandimoun. Amen. Bon Dieu, il servit quelqu'un. Bon Dieu, il servit et un moyen pour lui. Mais ça manque de choses là, frères et sœurs, le besoin comprend. Tout ça manque de choses là, l'immerveilleux. Mais Dieu, il reste tous les temps, nous, la source. Alléluia. Et nous, la source, frères et sœurs, n'est pas pour tarir. Amen. N'est pas pour finir. Alléluia. Parce que la Bible dit à nous, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, c'est lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 17, nous capables de lire ce verset. Toute grâce excellente et tout don parfait descend comme ça d'en haut. Amen. Alléluia. Les vignes du Père des Lumières, toute grâce excellente, tout don parfait, les vignes de Dieu. Dans 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 12, 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 12, la Bible pour dire nous, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi qui, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qui a le pouvoir. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Mon frère, ma sœur, nous, la source, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de lui que vient toute la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Les hommes, on ne peut pas y aller comme cela. Les hommes, le moyen qui m'ont dit servi, c'est ma ressource. Alléluia. Le travail, c'est une ressource. Nous, l'argent, c'est une ressource. Mais bon Dieu, il reste nous la source. Alléluia. Bon Dieu, il est capable de servir ma ressource, ma moyen pour bénir toi. Mais Dieu, lui, toujours demeure de la source. Alors ce matin, inquiète-toi, si la porte est fermée, c'est une ressource qui est fermée. Mais la source, lui, demeure toujours là, présent. C'est pour cela, si la porte est fermée, bon Dieu, en tant qu'il nous la source, il est capable d'ouvrir un autre la porte. Amen. Parce que le pécos, la source, le pécos, l'origine de quelque chose. Et la Bible dit comme cela, toute source qu'il crée par lui et pour lui. Toutes les choses sorties de lui. Amen. Alléluia. C'est nous, papa. C'est nous, bon Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Arrête d'être les choses de la terre comme de la source. Mais on dit d'être bon Dieu comme de la source. Même si arrive un moment, ça va être quelque chose là d'arrêté. Même si dans un moment, ça va être quelque chose là, il est fini. Mais Dieu, il y a un moyen pour lui bénir toi parce qu'il est même de la source. Lève-toi la main, dis Alléluia. Amen. Vous les avez dit dans la vie, il est comme cela. Un dimoun est venu, un dimoun y allait. Aujourd'hui, il est là. Demain, il n'est pas là. Amen. C'est pour cela. La Bible nous maudit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Mais heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Dimoun, vini, allez. Dimoun, là, après, je ne suis pas là. Mais le bon Dieu, il demeure éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour montrer toi, mon frère, ma sœur, même si tu es un moyen que Dieu t'y fait bénir toi, si tu es un moyen que tu fais marquer cette bénédiction, et maintenant il n'est plus. On lui dit pour dire toi, lève de la foi ce matin et crois qu'il, bon Dieu, lui-même de la source, c'est une ressource qui finit arrêter et n'est le moyen que Dieu vous servit parce qu'il lui-même de la source. Lève de la main, criez Alléluia. Amen. Attends, je dis amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu ce matin pour Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour Jésus. Amen. Qu'il vienne pour reconnecter nous avec nous la source qui est l'Éternel. Aujourd'hui, connecter ou reconnecter toi-même avec la source. Avec la source. Alléluia. Et
te pas pour manque de rien. Vous voulez lire avec j'autre le psaume 36, le verset 10. Le psaume 36, le verset 10. La Bible dit à nous, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Dieu lui-même est la source de notre vie. Gloire à Dieu. Comment il est merveilleux, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu regardes Dieu comme de la source. Alors, tiens ton regard dans les sources de la terre. On dit ça au commencement dans l'introduction. La stratégie du diable, c'est pour faire God, tu regardes ce moyen là. Peut-être tu as un moyen, peut-être tu as quelque chose, peut-être tu as une allowance, peut-être tu as un moyen que tu peux recevoir de Dieu. Et ils ont dit, donc, pas dire avec le Covid, avec ma circonstance, il est plié. Mais mon frère, ma soeur, Dieu lui-même de la source. M'aurait dire ça ce matin, si la porte fermée, mon Dieu est capable d'ouvrir de la porte pour toi, parce qu'il est même de la source. Alors ce matin, reste assuré qu'il est même de pourvoyeur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand nous regardons le peuple d'Israël, deuxièmement, ce qu'il voulait dire, je dis, amen. Mon Dieu tire sa peuple là dans l'Égypte. Amen. Alléluia. Je dis sous le règne de Pharaon avec toute la misère, la Bible dit à nous, et la fournaise de fer de l'Égypte. Amen. Et je dis dans sa fournaise de fer de l'Égypte, et si difficile l'Égypte, bon Dieu tire sa peuple là pour amener eux dans la terre promise. Alléluia. Et bon Dieu fait la promesse à les autres. Alléluia. Et deuxièmement, qui fait aujourd'hui, nous capables de regarder Dieu comme le pourvoyeur. Amen. Qui ça va le principe qui nous besoin adopter dans nous la vie. Un bon Dieu, nous bisa qu'être comme nous la source. Alléluia. Deuxièmement, nous bisa rappeler nous-mêmes qui bon Dieu n'est pas pour abandonner nous. Alléluia. Amen. Bon Dieu, pas pour délaisser au peuple. Amen. Aujourd'hui, les malheureux peuvent dire ça. Combien de nouvelles parfois nous tendez, nous regardons à la télévision. Les malheureux peuvent dire ça, mais dans le monde, parfois nous trouvons un parent délaisse ses enfants. Parfois nous trouvons un parent finalement quitte ses enfants quelque part. Parfois, Mandimoun finit découvert un bébé, un enfant quelque part. Et là, je finis prendre lit, je finis amener dans l'orphelinat. Pour un enfant, finit besoin d'un parent. Fin besoin d'une maman, fin besoin d'un papa. Et là, arrive un moment où je délaisse ces enfants-là. Les malheureux pour dire ça, les tristes qu'on trouve des telles nouvelles. Amen. C'est le monde que nous vivons. Amen. Beaucoup d'enfants, l'eau cette terre, qui peut grandir, je peina une maman, je peina un papa. C'est bien des enfants qui finissent délaissés dès ce jeune âge. Je grandis. Amen. Et je n'ai pas fait connaître l'amour, l'affection d'un maman, d'un papa. C'est la terre qui nous vit, c'est pour cela la terre difficile aujourd'hui. La terre, c'est la terre triste, c'est la terre lamentable. Mais mon venu pour dire, nos papas qui dans les cieux, nos papas, amen, qui fait compte en nous, les papes délaissent nous. Alléluia. Si on dit, nos capables trouvent, mes parents qui délaissent les enfants. Mon vini pour dire à toi, sa bon Dieu qui m'a fait présente là. Depuis toutes ces semaines, frères et sœurs, ce Dieu qui nous fait présente, c'est un bon Dieu qui n'est pas pour abandonner nous. Il n'est pas fini d'abandonner ce peuple. C'est pour cela qu'il dit, voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, avec toi, avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, le monde est en crise. Mais mon frère, ma soeur, bon Dieu, papa, abandonne-toi. Amen. Alléluia. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Amen. Nous sommes, alléluia, ses enfants. Alléluia. Créé, qu'il y fait créé, appelé par son nom. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, moi, avec vous. Enfant de Dieu, le Seigneur n'est pas pour abandonner nous et Dieu pas finir abandonner ce peuple. Amen. Bon Dieu, tu es capable de dire, bon Dieu, de tirer ce peuple dans le désert. Amen. Après, te les autres comme cela,
de dire aux autres, allez, non, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que nous besoin de comprendre. Nous, si nous quittons l'Égypte, toi qui peux écouter, toi nous quittes l'Égypte, l'Égypte représente le monde, l'Égypte représente ton passé, l'Égypte représente, et quand tu es sous le règne du diable, Pharaon, mais on dit, bon Dieu, il tire toi depuis dans la force, il tend toi la main, il tire toi dans la boue. Mais mon frère, ma soeur, pas pour l'histoire comme cela, histoire égarée, perdue, non. Les dire, mon point avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il nous besoin garder. Alléluia. Bon Dieu, les pas pour abandonne-moi. Alléluia. Les pas pour abandonne-toi. Mais ils ont dit, si tu n'as besoin, pas dire, bon Dieu, de l'abandonne-moi. Qui, Seigneur, que moi pour faire? Non, mon frère, ma soeur. Bon Dieu, capable de tirer le rose pour toi. Bon Dieu, capable de faire la manne, la vigne du ciel. Bon Dieu, capable de faire bénédiction là, vigne d'une terre étrangère. Et il comblait sa vie dans tous les galères. Tu l'avais crié. Alléluia. Amen. Ce verset qui, David vous dit dans le psaume 37, le verset 25. Vous êtes content, vous êtes lié à ça avec moi. Alléluia, ça verset là, il bouleverse pour la vie, et tout le temps ça vient rester pour les guerres. Psaume 37 et le verset 25, peut-être qu'il a pu dire nous, c'est David qui dit ça, amen. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier. Mendiant son pain. Nous disons amen. Alléluia. David dit jeune et il dit j'ai vieilli. Amen. C'est vrai. Nous dit jeune et nous tous pouvons vieillir. Amen. Alléluia. À quoi on ne pourrait jeune, quoi que Dieu n'ira rajeunit à nous comme l'est. Mais j'étais jeune et j'ai vieilli. Amen. Moi, si je me rappelle, quand nous dit jeune, alléluia. Amen. Et l'année puis traversée, gloire à Dieu. Il dit, moi, je suis jeune et moi, je vieillis. Mais dire ici, David, il peut cause toute une vie. Amen. Moi, je suis jeune et moi, je vieillis. Il peut parler de toute une la vie. Et il dit, jamais on trouve le juste abandonné. Alléluia. Ni sa postérité mendiant ce divin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle promesse pour toi. Toi qui es appelé juste, toi qui finis d'être justifié par la foi, toi qui finis d'être justifié par le sang de Jésus. J'en dis, mon frère, ma soeur, la promesse pour toi, amen, pendant cette vie, long la terre avec Jésus-Christ, ton pas pour être abandonné, ni ton postérité pour mendier son pain. Te prenant toujours du pain en abondance. Te prenant toujours de l'eau en abondance. Te prenant toujours la bénédiction en abondance pour faire des bonnes œuvres. C'est toute une vie que cet homme lui mentionnait ici. Et lui dire, je n'ai pas vu le juste abandonné. C'est la promesse de Dieu pour nous. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu, lui-même ton pourvoyeur, lui-même ton Jéhovah Jireh. Tu as besoin, lui-même ton Jéhovah Jireh. N'est pas pour l'histoire tomber. Amen. Alléluia. Tu dis, peut-être que tu vas dire, frère, là, je peux monter. Mais tu n'as pas pour tout toi abandonné, ni ta postérité. Je veux dire, les tes enfants, les enfants de tes enfants. Bon Dieu, il est pour bénir et il est pour manifester sous la grâce. Lève la main, nous dire, alléluia. Amen. L'auteur d'Hébreux, et il dit cette parole, amen. Alléluia. Dans chapitre 13, le verset 5, merveilleuse parole qui nous capable lire, c'est ma promesse, c'est ma parole qui nous besoin garder, nous besoin lire, relire, prier avec ça. Alléluia. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Est-ce que nous comptons la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il nous prend plaisir pour écouter la parole? Amen. De quoi la Bible qui dit à nous? Amen. Les merveilleux cela. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ici, il n'est pas de dire ne vous livrez pas à l'argent, mais il dit à l'amour de l'argent. L'argent dit bon,
mais l'amour de leur chambre qui est pas bien. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de leur chambre. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Alléluia! Amen! Amen! Pas livrez-nous à l'amour de l'argent. C'est vrai, l'argent est important. L'argent répond à tout. L'argent, le besoin libre. Mais la Bible dit à nous, un peu, et dans le livre de Timothée, que l'amour de l'argent, c'est sa même racine de tout mal. Et la Bible dit à nous, pas livrez-nous à l'amour de l'argent. Amen. Contente-nous de ce qui nous est là. Et que bon Dieu lui-même, il dit, mon pas pour délaisse-toi et mon pas pour abandonne-toi. Mais bien aujourd'hui, si tu as même besoin, mon frère, ma soeur, alléluia, rappelle bien que bon Dieu n'est pas pour abandonne-toi. Bon Dieu n'est pas pour délaisse-toi. À cause de ça, même nous capables de dire avec assurance, on dit, ou capable de dire, mot capable de dire, le verset 6, nous capables de dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Dis-le avec moi ce matin. Écris-le par la foi, confesse-le. Ou bien lève-toi la main, dis-le. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Amen. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Alléluia. Amen. Les hommes pour effrayer toi. Les hommes pour bouleverser la vie. Qui se pourra pas faire toi? Dieu lui-même te soutient. Dieu lui-même te aide. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci pour ma ressource. Mais lui-même nous la source. Alléluia. Amen. Quelle parole. Ce matin, bon Dieu, les papas abandonne-toi. Tu as besoin d'argent. Amen. Dieu, il est pour pouvoir à tout l'argent. Tu as des problèmes financiers ce matin. Dieu, il est pour pouvoir à tes finances. Rappelle toujours le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Pas 40 heures, pas 40 jours, frères et sœurs, mais 40 bonnes années. C'est toute une génération, nous capable de dire, qui fait une traverse le désert. Et bon Dieu, pas fini les yeux tombés. Nous lisons dans les Deutéronomes, tu n'as manqué de rien. Alléluia. Lève, nous la met, nous dit alléluia. Tu n'as manqué de rien. On a beaucoup de témoignages qui sont capables de nous autres. Alléluia. Beaucoup de témoignages qui sont capables de dire pour la gloire de Dieu. Cette semaine même, on vit un moment merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Dieu prend soin. Alléluia. Et aussi qu'il a. Amen. On a beaucoup de témoignages qui Dieu va les sous-tomber. Dieu les pouvoirs a un besoin. Ou capable une veuve, ou capable un orphelin. Mais rappelle bien, bon Dieu lui-même le père des orphelins. Bon Dieu lui-même le défenseur de ma veuve. Et bon Dieu lui combat au combat. Amen. Nous capables de dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Aujourd'hui, c'est une promesse. Alléluia. Qui bon Dieu lit pas pour abandonne-toi. Amen. Et troisièmement, ce qu'il voulait dire avec l'aide de la parole de Dieu concernant Dieu, notre pourvoyeur, mon frère, ma sœur. Alléluia. Premier, nous le comprenons. Regarde-lui comme nous la source. Deuxièmement, les papes abandonne-toi. Alléluia. C'est toute une vie. Amen. J'ai vie. Et troisièmement, ce qui est important. Alléluia. Ça, c'est nous, mon Dieu. Amen. Ça, c'est nous, papa. Bon Dieu, il est pour toujours, amen, un overflow. En d'autres mots, Dieu, il est pour toujours, et amen, l'abondance dans toute la vie. Alléluia. Le bon Dieu, quand il bénit, il n'est pas béni, comment nous dire, aura, mais il est béni avec l'abondance. Amen. Nous coupe, il est toujours débondé avec l'Éternel. Nous coupe, il est toujours overflow avec nos bon Dieu. Alléluia. C'est vrai, nous demander, c'est vrai, nous penser quelquefois comment ça peut être, comment ça peut venir. Mais quand nous trouvons l'invini,
quand nous trouvons lui inarrivé. Nous trouvons tous les temps que bon Dieu éclate sur la gloire. Quand bon Dieu il bénit et bon Dieu il donne et ce qui nous pas tu penser, ce qui nous pas tu demander. Bon Dieu il vous toujours amène et bénit toi en abondance. Parce que nous n'y est allé là, qui finit bien dire, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia! C'est une grande richesse. Nous servir de mon Dieu qui grand. Nous servir de mon Dieu qui vivant. Nous servir de mon Dieu qui est incomparable, mon frère, ma soeur. Lève-toi la main, dis alléluia. Il peut toujours amener l'abondance dans toute la vie selon sa richesse. Alléluia. La Bible dit nous Jésus et les mêmes pauvres pour qu'il nous capable d'être enrichis, frères et sœurs. Alléluia. Et le verset qui voulait lire avec vous autres, c'est ce verset qui merveilleux. L'apôtre Paul dans Éphésiens 3, 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20, verset qui nous connaît bien. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Amen. À celui qui peut faire, alléluia, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un homme qui me dit ça. Ce n'est pas le président d'une nation qui me dit ça. Ce n'est pas le premier ministre d'un pays qui dit ça. Ce n'est pas le chef d'État, ce n'est pas les rois qui disent ça, mais c'est le roi des rois, alléluia, c'est l'Éternel, c'est bon Dieu, son parole qui dit à nous ça. Il est capable de faire par cette puissance qui agit en nous, amen, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la foi qui est en nous, il est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce qui nous peut demander, de tout ce qui nous peut penser. Comment nous dire? Bon Dieu est pour tout le temps surprise us. Bon Dieu est pour tout le temps et amène une surprise dans la vie. Parfois nous l'homme nous limiter dans nos pensées. Nous pensons quelque chose, nous pouvons dire les bovines comme ça, les bovines comme ça, les bovines dans sa quantité là, les bovines dans sa grandeur là. Mais quand il vient frère, quand il vient sœur, nous disons bon Dieu, tu es infiniment grand. Le Seigneur éclate sur la gloire. Alléluia. Ça fait me rappeler cet homme et de la Bible Pierre qui n'est pas fine. Il n'y a aucun poisson pendant une nuit de travail. Mais quand Jésus, il vient, alléluia, quand Jésus, il vient, il dit avec Pierre, jette au filet. Il dit, on a en premier temps, avance en plein eau et jette au filet pour pêcher. Et là, la Pierre, il dit, oui, c'est vrai, nous, on la pêche pendant toute une nuit, mais nous, pas fine, il y a un poisson. Et là, mais Pierre, il dit, mais sur ta parole, ils ont dit, l'eau qui te paie, masse-toi. L'aura une promesse d'un homme, mon vie pour dire toi, l'homme n'est capable de faillir dans sa promesse. Mais s'il y a quelqu'un qui ne peut pas faillir jamais dans sa promesse, c'est nous, bon Dieu. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Bien dire, l'eau, ton parole. Ils ont dit, j'ai filé là, l'eau, son parole. J'ai filé là, l'eau, la parole de Dieu. Faire un pas de la foi, l'eau, son parole. Mon frère, ma soeur, ce matin, quand les pieds, quand les jets filés, c'est un overflow. C'est pour cela mon troisième point. Bon Dieu, il est pour pouvoir à ton besoin. Et bon Dieu, il est pour toujours déborder ta coupe. Bon Dieu, il est pour toujours amener l'abondance dans toute la vie. Alléluia. Il est pour surprendre toi, de vous dire, sa quantité-là, mon frère, ma soeur, l'histoire, montrez-nous. Pierre, ma fille, gagne un bateau poisson. Mes bateaux peut déborder. Bizan appelle camarade, bizan appelle et ma voisin pour dire ouvrez ton frigidaire, laisse-moi mettre un peu poisson là-dedans parce qu'il a trop beaucoup que moi, peine à place. Ma la fille besoin coster de banque pour qu'il capable remplir et ça va le poisson là. Le bon Dieu est toujours amen une bénédiction. Peut-être aujourd'hui tu penses peut-être une maison. Mon Dieu capable de toi, quelque chose de grand. Peut-être tu penses quelque chose et qui t'a besoin. Bon Dieu est capable, éclate sur la gloire dans toute la vie. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà, mais dire là-haut,
de nos imaginations, de nos pensées, de nos demandes. Mon frère, ma soeur, bon Dieu, il y a une grande petite chose qu'il est fini de garder en réserve pour toi. Alléluia. Ce matin, croire d'une provision surnaturelle qui vient de la part de Dieu. Qu'on s'amène le samedi pour dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. De la main, crier, alléluia, te coupe les débordés. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a une promesse pour toi. Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voilà 40 années, c'est Dieu qui dit ça avec le peuple d'Israël, qui, au fin, reste avec toi. Tu n'as manqué de rien. J'en dis, laisse-moi confesse et déclare cette parole lors de la vie. Te pas pour manque, non, ni. Alléluia. Te pas pour manque, non, ni. Et il y a trois quelque chose que Dieu dit à nous ce matin. Regarde-les comme nous la source. Rappelle de son alliance qui n'est pas pour abandonner nous, pas pour délaisser nous. Et prépare-toi pour un overflow. Prépare-toi aujourd'hui pour l'abondance. Alléluia. Prépare-toi. Amen. Pour être comblé de toutes sortes de grâces de la part du Seigneur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui te besoin de faire. Il y a quelque chose. Reçois Jésus dans ton cœur. Si tu m'écoutes à cette parole aujourd'hui, Jésus, encore vient de Seigneur et de Sauveur, m'invite-toi, reçois Jésus dans ton cœur. Parce que la promesse de nous, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et d'une façon, c'est de vous connecter toi avec la source. Jésus, lui-même, nous la source. Jésus compte en toi. Si peut-être tu es éloigné de Jésus, peut-être tu finis rétrogradé de Jésus. Cette semaine même, peut-être que dans ce témoignage, un frère qui téléphone moi, évidemment frère, et frère, évidemment comme ça, me les retourne vers Jésus. Là, comme au fin, écoute-lui, là, évidemment ce nom, là, mon père rappelle le frère, là, il dit, mon frère, on abandonne le Seigneur. Moi, pas fini marche comme a besoin de marcher. Mais il dit, mon frère, priez pour moi. Moi, les retourne vers le Seigneur. Là, mon exemple, le frère. Là, mon rappel, ni mon colonie. Oui, il est venu à l'église. Mais il finit arrivé un moment. Les finit abandonne le Seigneur. Vous trouvez, même dans ce moment-là, mon Dieu, il ramène ma Dieu. Amen. Il dit, mon frère, moi, les retourne vers mon Dieu. Moi, les récoster avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, mon fils exhorte, mon fils encourage avec la parole de Dieu. Mon Dieu dit, Jésus compte en toi. Mon Dieu dit, et retourne vers le Seigneur. Mon Dieu, il y a une bénédiction pour toi. Même dis-moi, peut-être pour partager ça avec Dieu. Il dit, mon frère, quand ça vous a quitté pour la dîme, quand ça vous a quitté pour l'offrande, est-ce que l'église est ouverte, vous ne quittez pas l'offrande, vous ne quittez pas la dîme. Et là, mon Dieu dit, frère, partout fermé, garde pour l'offrande, garde pour la dîme. Quand le temps pour arriver, amen, pour nous retrouver dans la grande assemblée, et là où apporte et ce qui est à Dieu, et on remet ce qui est à Dieu, comment nous aussi nous pouvons faire pour la gloire de Dieu. Alors le frère, tellement il est content, il dit, mon frère, et comme ça, vous amène pour l'offrande, vous venez, et montrez-lui comment on a besoin de faire. Alors qu'elle soit, alléluia. Et ce matin, donc si mon frère, ma soeur, si tu es loin avec le Seigneur, reconnectez-toi avec la source. Jésus compte en toi. Ils ont dit, il est pouvoir à ton mal besoin. Te pas pour manque de rien, sorti sous sa lagime au fin, sa malédiction de la pauvreté. Sorti là-dedans, viens avec Jésus. Jésus, délivrez-nous de la malédiction. Délivrez-nous, amen, de sa pauvreté là. Ils ont dit, nous capables de dire, les filles enrichissent-nous par sous la grâce. Reçois Jésus dans ta vie aujourd'hui. Acceptez-le comme un de Seigneur et de Sauveur. Amen. Alors ce matin, Dieu lui-même nous pourvoyeur. Laisse-nous la voix, nous prier le Seigneur.